nouvelle que gagne 3 jours fait dans le pays. Nouvelle ça gagne dans toute section communale. La panique est monde. Même écoutez m'a demandé ça vient attirer attention m'a demandé qui j'ai information arrivée sous peuple haïtien par qui canal. Vous songez son madame qui t'a allé dans l'émission et puis qui te dit que qui te dit que donc le président Jovenel Moïse pas bail 2022 et de fait où est sacrifié donc président Jovenel Moïse donc mercenaire assassiné vient faire que tout ça que elle te dit après ça et ben tout pays a parti pour elle. Madame non dit que gain 3 jours fait noir qui t'a annoncé pendant ou gain non samedi le matin à toute toute marche qu'on était gain parti pour dans pays toute marche lagué parce que c'était un mauvais temps. C'est un mauvais temps. Tout le monde pensait qu'à midi, que justement, le pays a pas le fait noir. À midi, tout le monde pensait qu'à midi, le pays a pas le fait noir. Donc, on est un paysan lui-même. Eh bien, matin. Il tout est école. Il tout est école. Elle dit, t'es marché, t'es qu'on fait. Faut tu donnes, frère. T'es marché, 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 on est le samedi. Il y a un gros marché de tous côtés. Oui. Puis matin, là, tout, moi, je vais dans la section communale. Eh bien, je vais regarder, on côté qui connaît. Et marché, gros marché. Lèm qu'on a passé, m'balé en province. Gros marché, blocus lui. L'ITI, une heure d'après-midi, marché à blanche. Lèm pose la question. Je dis, non, Michel Lugo, et affaire bagaille fait noir. Affaire fait noir arrivé sur nous, et puis tout le monde peut. Eh bien, yo lagué marché là. On garde des questions avec des amours lui-même. Kabano détail sur ça. Et des amours, alors Kabano détail sur ça. Et l'abdi nous qui bolie lui-même. Et c'est même constat lui-même lui fait tout c'est dans section communale donc dans zone la Caobo donc dans département du Nord-Ouest et qu'on gros marché pratiquement dans zone là et bien, marché à la gué depuis 11h et depuis 11h du matin donc ça arrivait tout côté. OK, des amours, comment nous y comment nous y des amours? Nous en forme nous quoi. Ok, dis pour auditeur radio Éclairo, qui boye dans le moment où on a parlé là, qui boye? Dans le moment où on a parlé à moi dans Petite Rivière Mapou, troisième section commune BDN. Elle dit troisième section commune BDN. Donc, parlez de marché. En principe, combien de marché chaque samedi, pas vrai? Marché chaque samedi. Ok, ça qui est passé samedi, qui est passé là dans la question marché. Pourquoi ça n'a pas de marché? Bon, nous connaissons ces traditions pays. Nous mouillons toujours quoi. Ils ont dit qu'on tradition, ils veulent faire 3 jours fait noir. Marché a commencé des plans depuis 11h30, tout le monde replie la caillou. C'est comme si on a un bon événement pour arriver, pour aller faire noir, tout le monde fait tentative d'aller. Peut-être que nous sommes dans le dernier lait, c'est moi celle qui peut-être qui était à des grands monde qui a vu. Après, tout le monde sous les lieux déplacés pour faire noir. Bon, on connaît, ils ont toujours quoi dans sa cabine, mais moi, je ne sais pas quoi là-dedans. Bien, bien. Ok, et habituellement marché, à qui l'on lagué, dit qu'on finit. Des amours, habituellement marché, à qui l'on finit, dit qu'on lagué. Allô? Oui, habituellement marché, le samedi, à qui l'on lagué, à qui l'on finit. Bon, marché a commencé depuis 7h du matin jusqu'à 5h de l'après-midi. Et l'été midi, tout le monde est content de quitter marché à blanche. Il fait 11h30, tout le monde va marcher à vague, passer. Yo paye pour ça qu'on le fait, tout est-ce qu'il va le faire noir, tout ça est tentative. D'accord, mais sans pile, et des amours, mais sans pile. Ah, mais d'accord, Loukoum. Mais sans pile, Kébela. Alors, troisième section communale B2N. Tout le monde dit troisième section communale B2N, Bématena tout. Elle dit que, madame, monsieur n'a pas les zones qui reculent la rue de la capitale haïtienne. Troisième section communale B2N. Alors, l'aime te fin gen information maintenant dans tout. Ou konn ki sa te vin nan tête moi? Pa ki canal information sa arrivé sou population qui dans section communale là? Réseau téléphone moi. Téléphone. Téléphone. L'aime pas la mes amis, dit lou ko désir matin débat pour konn matin débat. Mais nous pas parler de question de toi ou fait noir donc. Mais ou konn radio a fait le rive plus vite. Radio normal quand ou radio éclair. Radio normal la plus rapide. Très bien. Parce que ça mais réseaux sociaux à l'ouko la plus rapide. Tout le monde est chargé. Ça dit que population aujourd'hui, donc lui était accroché à ce qui a passé dans le pays. Alors faut que nous nous comprenions. Il est attaché à ce qui a passé dans le pays. Sans dit qu'il y a là, même moment là. Allez. Il est allé, oui. Ouais. Oui. C'est là, sous radio, il est plus rapide là. Ouais, il est plus rapide.
Très bien. Mais après ça, mes réseaux sociaux à lui-même, il fait travail. Il fait un rapide. Ouais. Yeah. Donc, c'est. Mais c'est les réseaux sociaux, hein, parce que. Très bien. Et toute section communale, yo, ou après, qui a été. Bon, l'autre expérience, je ne sais pas qu'on a souffert. Calendé honnête, ou même qui m'a champé. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, madame? Monsieur, toi, je vous fais noir. Il fait Woody à travers le pays. Maintenant, je ne sais pas qu'on a qui ça, madame, ça, lui-même, côté de Devin Bawol, ça. Et côté de Devin Bawol, a fait noir, ça. Si on me reconnaît, madame, l'abtendez, nous allons venir confirmer le boulot. Nous allons ça. Alors, il a dit le reporter fait noir aujourd'hui. Ah bon? Oui, il fait un reporter pour aujourd'hui. Bon, en tout cas. Alors, Mabdo Bagay, Gombagay, Mbakone souffert et souffert, coup d'œil ça, l'homme bâché. Ou pas, ouais, on sait des timoun qui parlent l'école nulle part, qui range téléphone normalement. Normalement, sans problème, oui. Mes amis, on sait des côtés, moi-même, malé. Moi, on sait des petits messieurs qui font ça comme business même. Très bien. Yo parle, après, n'y a aucun côté. Non, jeune. En tout cas, bon. Et en aller avec éditorial là. Alors, Esaïe César là, et un point Esaïe avant nous entrer avec Robinson d'Haïti pour l'éditorial de ce lundi et 19 juillet 2021. Madame, monsieur, Esaïe César, comment nous y est? Bonjour, bienvenue à l'émission Matin Débat. Comment nous y est, Esaïe? Bonjour, Loco Désir. Bonjour, Pierre Matin à tous. Bonjour, José Lexidor. Bonjour à chaque grand ami auditeur auditrice de Radio Téléclair. La démission de Claude Joseph. Eh bien, et c'est évident. Premier ministre AIA, Claude Joseph, dans le cadre du Conseil des ministres, dans le moment où on a parlé avant, on a déroulé. Et eh bien, Claude Joseph présente la démission. Côté Ariel Henry pral installé à partir de demain, Cap Vini là, qui donc le Premier ministre par intérim. Eh bien, monsieur présente démission li, et l'après été ministre des Affaires étrangères. Gagné Rockefeller Vincent qui a prêté comme ministre de Justice, le coup désir. Gagné Michel Bravert, qui a prêté Patrick Michel Bravert, qui a prêté comme ministre de l'économie et des finances. Et l'équipe en force menée par Diocèle Simon Dera, une figure emblématique de l'opposition, prêt à le garder le portefeuille. Ministre de la Planification et de la Coopération Externe. Diocèle Simon Dera, sénateur Dera. Diocèle Simon Dera, déjà ministre Planification, selon l'entente qui joigne entre le gouvernement Henri et les autres partis politiques de l'opposition. Donc, il y a d'autres figures qui prennent le gouvernement. Maintenant, restez pour nous suivre. Dans le courant journée là, on y a une liste complète de ses membres du gouvernement. Donc, c'est officiel. Claude Joseph, monsieur démissionné, et le conseil des ministres qui a déroulé dans le moment où on a parlé là, pour capable de liquider les affaires courantes. Eh bien, c'était donc ça, madame, monsieur, donc l'information de ce matin, que nous n'avons pas traité dans le premier point, ben, matin à tout, et ça a eu pratiquement, donc, pratiquement, et vine avec point. Hein. Maintenant, président provisoire, c'est qui est-ce? Selon les chargés, la communauté internationale voulait pour que c'est le gouvernement, le conseil des ministres qui menait gouvernement, pas question de président provisoire. Donc Ariel Henry a prêté comme premier ministre également, et entre guillemets comme président provisoire. Donc, C'est le cas de le dire, la communauté internationale est la dernière visite de la délégation américaine, il était clair, il était vlé, il était venu avec trois formules. Formule pour que Joseph Lambert était comme président provisoire, et que faut qu'il ramène plus monde, plus partis politiques, plus organisations politiques, plus organisations de la société civile, bon côté. Okay. Deuxième formule, en blanc, c'est plus quoi? Alors la délégation américaine t'est proposé à Joseph Lambert pour que, Ariel Henry était comme premier ministre, il menait le gouvernement net. Et troisième formule, c'est après une habitation entre Joseph Lambert et le premier ministre, Ariel Henry. Okay. Donc, Claude Joseph lui-même, c'est après le Kembe, ministre. Il arrivait à conclure que
c'est le Premier ministre Ariel Henry qui va le mener vers les élections et que et la communauté internationale y a campé Kilanagana sous le désir. Élection en septembre, qu'a venir là. Élection en septembre. Maintenant, c'est ça, d'abord, Mando Isaïe César, donc, et c'est pas transition qui gagne. Alors, transition, c'est seulement donc, jusqu'au 7 février 2022. Blanc, clair dans ça, communauté internationale, la clair dans ça. Ariel Henry, on fait de route navette pour l'exécuter jusqu'au 6 février 2022. Qui donc, l'Ipral mettait tout et toutes les questions en œuvre de façon à ce que l'IRIVE organise des élections parce que la machine est déjà en cours, en marche. C'est ça, communauté internationale là, campé sous lit. Et c'est ça qu'on a marché pressé pour demander Claude démissionner pour que Ariel Henry mène un gouvernement. Et il y a clair dans ça, élection législative présidentielle, septembre, qui a venu là, l'ouk au désir. Très bien. Merci un peu, Esaïe César. Donc, si bien, en plus, on fait alors, alors, d'autres informations, c'est que. Pendant que je suis là, et que je suis déjà dans Port-au-Prince, il y a un bandit qui continue de tirer. Et il y a tellement tiré, il y a deux chauffeurs machines qui ont porté deux camions qui ont porté transporter ciment. Et bien, vous connaissez, monsieur Krasirak, monsieur Tiré, machine. Là, dit monsieur, monsieur Martissan, yo. Monsieur Martissan, yo. Monsieur Grand Avignon, avec Village de Dieu, il a tiré, il a tiré. Ensemble, on dit qu'actuellement là, il y a deux camions ciment qui bloquent dans Matissa 15 ans, mais c'est la honte, nous connaissons pour la police nationale. Est-ce que le chauffeur a mouru? Non, 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 deux chauffeurs ont été courus à Kazerak. Okay. Deux chauffeurs machines et camions ont été à Kazerak. Donc, monsieur, quittez ma camion dans le de la monsieur, monsieur. Et alors, tentative qui t'a fait pour que vous te prenne camion ciment pour te monter grand avec vous. Donc, vous besoin de la police là rapidement pour permettre à ce que le chauffeur camion vienne prendre camion. La police nationale absente, parce que je dis à la mounio là, il y a deux bras balancés sur route. Alors, comment imaginez-vous, une route qui mène, une route nationale qui mène dans quatre départements, Louko Désir. Mounio là, il y a deux bras balancés et balaré dans le Louko. Moi-même, pour venir là, m'obliger. Utilisez ce soir qu'on aime qu'on est, hein, pour me capable de débarquer là moi-même. Ah, mais m'abtenons, Ok, l'information, madame, monsieur, donc, à l'émission Matin Débat, notez-le parce que, pas oublier que, émission pratiquement virée dans nous là. Virée dans nous et bien matin dans tout parce que nous n'avons pas le traité point ça là. Et en tout cas, n'abtenons Esaïe César, mais l'information, c'est que, docteur Claude Joseph, premier ministre haïtien, il était censé démissionner. Ariel Henry, donc, après ça, le gouvernement d'ici demain. Et parmi les ministres, ou capable de venir, donc, sénateur Diosol Simon Deray, capable de venir ministre de la planification de la coopération externe. Et puis, Claude Joseph a prêté donc, comme ministre des Affaires étrangères. Et Rockefeller, Vincent, a prêté comme ministre de la Justice. Et puis, M. Patrick Boisvert a prêté comme ministre de l'économie et des finances. Donc, les détails dans quelques minutes. Également, les analyses dans quelques minutes. Donc, à l'émission Matin Débat. Après l'éditorial de ce lundi 19 juillet 2021 présenté par Robinson d'Haïti, la dépouille du président Moïse peut-elle rassembler? Qui sont-ils ceux qui ont mangé le président Jovenel Moïse? On ne sait toujours pas puisque l'enquête se poursuit. On ignore si des proches du président de la République ont participé à l'assassinat, mais on retient qu'il avait des amis politiques qui lui étaient très proches avant de s'éloigner. Maintenant, qu'il n'est malheureusement plus là, comment les acteurs politiques ayant Haïti comme bien commun peuvent-ils tenter un rapprochement fructueux sans pousser leur haine jusqu'au tombeau du président Jovenel Moïse? Les sénateurs Yuri Latortue, Joseph Lambert et Maître Renan Georges sont entre autres des hommes politiques qui, ayant collaboré avec le président Jovenel Moïse avant de devenir des adversaires, d'autres proches sont aussi à signaler. Le sénateur Maurice Jean-Charles et le sénateur Évalier Beauplan, leur présence aux funérailles aura le mérite de donner du sens au combat qu'ils menaient contre la politique du chef de l'État assassiné le 7 juillet 2021. N'est-ce pas le moment idéal pour des opposants politiques de souhaiter que l'âme de Jovenel Moïse repose en paix en lui promettant qu'ils feront mieux que lui par rapport aux anciens présidents? Il convient aussi de se demander si le héros qui se moquait du zéro sera présent aux funérailles. La présence de l'ex-président Jean-Baptiste Aristide aux funérailles ne serait-elle pas très réconfortante pour la famille en deuil?
puis c'est les opposants farouches, Maître André Michel, le sénateur Antonio Cherami, et ainsi de suite, comprendre que chez nous, on n'applaudit pas à la mort d'un homme. Leur présence aux funérailles de Jovenel Moïse le 23 juillet 2021 sera un geste historique contre l'inacceptable Robinson d'Haïti. C'est un très bon questionnement, donc, monsieur d'Haïti. Les funérailles du président Jovenel Moïse sont donc prévues pour le 23 juillet 2021. Maintenant, est-ce que les opposants de monsieur Moïse, faisant partie en fait de la classe politique, est-ce qu'il y a présent dans le funéraire là, permettez-la tout? Est-ce qu'en principe il y a de la funéraire? Comme homme politique quand même. Il y a un leader qui est opposant. Mais il y a un d'Haïti cité qui n'est pas opposant. Ce n'est pas parce qu'on est opposition ou opposant. Okay. Attention. Okay. Nous aussi fait partie d'un parti politique qui pas. Où sont opposants, Jovenel, parce que tu es candidat? Ce sont très bonnes questions. Sont très bonnes questions. Par exemple, il y a une municipalité là. Et l'INA opposition face au pouvoir Jovenel là, mais entre lui-même et Jovenel, il n'est pas opposant, c'est le sénateur Beauplan. Le sénateur Beauplan, hein? Et sénateur Beauplan, clair, dans la radio même, dans le secteur côté LTA, il t'a accusé parce que de temps en temps, il a parlé avec Jovenel. Président Jovenel, de temps en temps, il a appelé Beauplan. C'est vrai, avant, tu as un problème. Est-ce qu'on est de Gougé Batraïsite de capable d'entraînement et voilà. Funérailles? Donc, oui. Président Jovenel Moïse. Je pense que c'est le plus grand. S'il est là. Donc si le président Jovenel Moïse. Politiquement, il est le plus grand. Président Aristide, pas contre Jovenel. Jovenel, peut-être, le président Aristide, bon, Jovenel pas de bail politique. Oui. Bon, c'est il t'a su. Son génération, tout n'est que de la valasse. Mais comme tu es venu, on ne sait pas son famille, la valasse et la valasse. Robinson Daloy. Il ne doit pas jamais. Mais je pense que, dans le taille président assassiné, président Aristide, pendant deux fois, tenté perdu Vili, dans deux coups d'État. Vous comprenez? Si je prends ça seulement, je ne vais pas plus de bagaille, je pense que c'est l'état plus grand. L'état plus grand pour lui. Pour lui. Très bien. Très bien. Bon, vous avez dit même là tout, donc vous mettez André Michel. Vous mettez André Michel, il n'est pas de président. Don Gâteau. Don Gâteau parce que c'était sénateur. Parce que quand même, il y a eu Richelieu. Don Gâteau, c'est sénateur de la République. Don Gâteau, Patrap Goumé, lui-même. Jovenel, peut-être que ça a été qu'il ne va pas me connaître, mais c'est ton sénateur qui était dans l'opposition qui t'a fait une bataille. Bien. Donc, le respecter ou son sénateur, c'est un job pour l'on t'a fait. Oui, mais quand dimanche, il faut gagner tout. Mais ça va d'où? C'est là, souvent, dimanche. Tout ça va bien là. Tout ça va bien, monsieur. Maintenant, il va bien, tout ça va bien là. Mais pas les gens. Dimension pour gagner tout, c'est pas les gens. Maintenant, les gens doivent d'où bagaille parce que je me rappelle, il y a un sénateur, Patrice Dumont. Je te pose la même question ça. Il dit, est-ce que c'est Patrice Dumont? Oui. Qui dit, il n'y a pas de la brale. Non, il dit, il n'y a pas de la brale maintenant tout parce que vous connaissez que vous n'avez pas le coup d'air. Non, eh bien, c'est ça même. Parce que le peuple n'a pas le coup d'air. Si vous connaissez dans le pays où le peuple a tolérance et compréhension ça. Parce que dimanche, il faut garder l'équilibre là de part et d'autre. C'est clair. Donc si vous n'avez pas compris que c'est politique ou tu as fait, ce n'est pas un ennemi ou gagné. D'ailleurs, elle prend assassinat pour eux. Ouais. Donc, est-ce que c'est qui t'a parlé en pile contre le président? On nous là, non. Et non, mais... non, funérailles, il y a en pile émotion. Émotion. Pile ou pas, je me connais. Ou qu'a fait respect tout, ou pas t'avler pour. Je vais même assassiner. Ou on a choisi un nom, je dois être sous. Oui, oui. Pas précaution. Oui, oui. Ou obligé. Ou quand même mourir tout. Moi, je pense que dans toute la cité, il y a un monde encore, retour l'a montré ça encore. C'est le président Aristide qui était allé, et s'il allait, pas gagné. Pas gagné, pas gagné. Très bien, très bien. On a le... Bonjour, monsieur d'Haïti, comment nous est? Bonjour, Matéliba, bonjour, monsieur le co-désir, bonjour, député Pierre-Martin Tatout, que moi remercie infiniment pour tout commentaire que le fait sur l'éditorial qui est juste. Et bonjour également à Maître Lixidor, que vous m'attendez, bonjour à monsieur Esaü César, et que Fectan est là, qui m'a des informations extrêmement importantes. Et bon, bien content là, et ma salue toute l'équipe technique là, et Orlando, Babas, Henri,
et toute auditrice, auditeur capitaine éditorial ça, et qui titrait la dépouille du président Moïse, peut-elle rassembler. Mais hier après-midi, j'ai eu l'occasion de parler avec M. Loco Désir, et moi je voulais renouveler soutien à vous-même, qui a environ 50 000 dollars américains sous tête, et puis assassinat, et c'est possible, si vous arrivez à assassiner le président de la République, la CAILI, donc tout est possible, et c'est pas au même seul, parce que ma terme d'absent des Radio Caraïbes, et je trouve que M. Robert Céliné, qui est journaliste vedette, Caraïbe FM, évidemment, qui dit qu'il y a 2 millions de dollars américains sous tête, donc il y a un pile monde qui est en danger, je ne le dis pas, et me l'ai dit à confiance. Allô, monsieur Daïdi? Allô? Alors, ouais, le téléphone a marché, justement, donc, et appel n'a pas coupé. Et, alors, bon, on a pour faire contact avec monsieur Daïdi. Et pour les commentaires, donc, sur l'éditorial de ce lundi 19 juillet 2021, donc, qui titrait La dépouille du président Moïse peut-elle rassembler? En tout cas, je dis à nos grands piles, mon capement de José Lectidor, donc José Lectidor et Washington, donc non, aux États-Unis d'Amérique. Bon, et oui. Probablement téléphone monsieur d'Haïti qui doit peut-être décharger et n'a pas essayé encore. Donc, et pour nous, est-ce capable de une chance pour nous parler avec monsieur Robinson d'Haïti? N'a pas essayé encore. Est-ce que le téléphone d'Haïti est déchargé? Est-ce que ce problème de communication? Et bon, en tout cas. Et pas oublier, vous capable toujours entrer en contact avec M. d'Haïti. Donc, il y a 31 55 43 25 si vous souhaitez faire commenter avec lui, donc, et échanger avec lui donc, sur les différents éditoriaux donc, de l'émission Martin Débat. Je rappelle que les éditoriaux de l'émission Martin Débat, donc, c'est la pensée même donc, de cette émission. Ok. Maintenant, je pense que c'est un débat qui est intéressant. Et que les gens là qui posent des questions. Et qui est-ce qui parle l'enterrement, en fait, de la classe politique? Et qui parle la funéraille, qui parle assister à la funéraille. Donc, le président. Tout homme politique t'a doué. Tout homme politique t'a doué. T'a doué. T'a doué. T'a doué. À l'enterrement. T'a doué. Maintenant, deuxième obligation, c'est ta et M.T. Kabdo, les grands. Monde qui occupe grande place dans l'État. T'a doué dans l'enterrement. Très bien. Alors, on a qui paraît un peu bizarre également. Les funérailles de Maître René Sylvestre, permettez à toutes, ils passaient des coussinettes à la poste. Oui, oui. Ok? Les patadoués. Pas grand pile monde qui est dans la funéraille, Maître René Sylvestre, donc à ce moment-là. Mais les patadoués. Parce que. Les gens qui posent des questions. Mon justicier seulement. Et qui vaut? C'est Maître René Sylvestre, c'est un cinquième homme qui vaut, oui. Ah bon? De l'église catholique, oui. Ah bon? Alors, il faut que je me dise que les funérailles là, ils devaient arriver dans un moment où ils coïncidaient avec l'assassinat du président Jovenel Moïse. Assassinat à Kouvril. Assassinat à Kouvril. Et puis, cause de décès de Maître Sylvestre, sur question de coronavirus, entre guillemets. Ah oui, est-ce qu'il n'y a pas accepté un peu le monde? Non, pas principe. Pas bon menti, il y a des monde qui saisit. Oui. Parce que pas grand pile de monde du tout. Il non, mais pas grand pile de monde. Pas grand pile de monde. Quand on a une visite, visite, pas grand pile de monde dans l'église là. Sont l'autre forme liée. Sont l'autre forme liée. En tout cas. Père ou bien monsieur, il n'y a pas pressé pour un pile de monde. Monsieur d'Haïti. Alors, oui, là, on continue. Oui, on continue justement, nous ensemble, jeudi, pour nous commenter l'éditorial qui titrait La dépouille du président Moïse peut-elle rassembler. Alors, vous pensez que l'est capable de rassembler? Est-ce que vous pensez qu'il y a assez de dimensions pour ça? Bon, justement, nous ne connaissons pas s'il y a assez de dimensions. Cependant, il est intéressant pour que le cadavre président Jovenel Moïse arrive à rassembler nous. Parce que moi-même, je n'ai pas appelé entrer dans la dynamique et à faire enquête, parce que l'enquête là, et la continue là, je ne veux dire, quand il y a des bagailles qui dit, et quand il y a des bagailles tout qui n'est pas dit, et quand il y a nous comprendre que nous ne comprenons pas, évidemment, et nous qu'à chercher contre qui est-ce qui proche, qui mangeait le président Jovenel Moïse, qui est-ce qui était impliqué dans l'assassinat, etc. Et puis, au songer, au départ, c'est qu'on a fait dire que tu as parlé. Donc, on parle de Colombie, nous connaissons les gens très impliqués dans l'affaire narcotrafic, dans l'affaire drogue, etc. Il doit y avoir un cartel de drogue qui a réglé, un règlement de compte qui a réglé, et puis le président Jovenel Moïse a mouru. Donc là, on peut rentrer là parce que je n'ai pas moyen même pour mener une enquête. Et jusqu'à présent, l'enquête a bien passé, a bien roulé là. Parce que de toute manière, il faut nous dire ça, il y a toujours des failles, il y a des séries de monde, il n'y a pas accusé, il y a des séries de monde, il n'y a pas loin de dans l'histoire, etc. Mais il y a pas fait, bon, là, pas
pas vraiment intéressé. Il se trouve que le 23 juillet, près de funérailles, M. Jovenel Moïse, le président de la République. Et nous songeons qu'il y a des amis politiques qui étaient très proches de lui-même et puis qui viennent retirer le col et dans M. Jovenel Moïse. Mm-hmm. Maintenant que le président n'est pas là, il faut nous demander est-ce que l'acteur politique sera au point. Et là, moi, je voulais préciser ça. Acteurs politiques qui ont un seul bien commun, c'est Haïti. Acteurs politiques, mm-hmm. est-ce que vous êtes capable de tenter un rapprochement qui est capable de porter fruit sans que nous ne soyons pas obligés de pousser un nom, c'est-à-dire raïssement, non, juste notre tombeau Jovenel Moïse. Je veux dire, est-ce que le cadavre Jovenel Moïse, qui a permis un rapprochement, qui a permis de nous rassembler plus ou moins, et dans ça, nous rien pour nous faire. Parce que nous songeons, bien entendu, que le sénateur Yuri Latortue, le sénateur Joseph Lambert, Maître Nol Georges, c'est des séries de monde qui, des hommes politiques, évidemment, qui étaient collaborés avec le président Jovenel Moïse avant qu'ils soient devenus des adversaires. Par exemple, Moïse Jean-Charles, le sénateur Moïse Jean-Charles, c'était un proche de Jovenel Moïse bien avant qu'il était président de la République. Et Valère Beauplan, par exemple, et c'est un monde qui sortit quand madame président. C'est mm-hmm. ça me parlait de proximité de que son proche que nier. Est-ce que je n'ai jamais dit, hein, présence monde sérieux, acteur politique sérieux, non funéraire, parce qu'il mérite pour le bain ou l'autre sens.